Non, maman, c'est samedi soir. Merde. Mais dis donc, Jésus. C'est quoi ces gros mots, là? Et samedi ou pas, tu restes à la maison ce soir. C'est juste une soirée entre copains. On sent même pas en boîte de nuit, après. Non, c'est non. Tu passes ta vie dehors en ce moment. Tu traînes avec je sais pas qui, des lépreux, des mendiants et, à mon avis, des voyous. Hein. Alors tu ne sors pas ce soir, tu restes à la maison. Voilà. Ok, super. Bah, j'ai juste 12 copains qui attendent que j'arrive au restaurant et c'est le moment que tu choisis pour me faire une scène. Une quoi? Une scène. J'ai pas d'autres mots. Qui c'est ces copains? Il y en a que je connais? Pas tous, mais il y a Jean, Thomas, Mathieu, Simon, Pierre. Pierre, c'est celui qui ressemble à une fille, là. Hein? Il a un genre bizarre, celui-là. Il est gay, maman. Je fais un peu la grappe, on est en l'an 33, ce serait peut-être temps d'avoir une vision un peu large. Et sinon, qui d'autre? Il y en a un que tu connais pas trop, Judas. Judas? Non, je connais pas, non. Il fait quoi dans la vie? Il est délateur. Quoi? Il est quoi? Il délate, il dénonce aux Romains tous les trucs qu'il trouve un peu louches et ça arrondit ses fins de mois. Ah bon? T'as pas peur pour toi? Parce que t'es pas super bien vu des Romains en ce moment. Hein. Non, moi, il m'a dit qu'il m'adorait et qu'il me ferait rien. Et je sens hyper bien les gens en ce moment et je peux te dire, Judas, c'est pas un mauvais bougre. Ouais, ouais, bon. Mais garde un œil sur ce Judas, quand même. Hein. Bon, et il y aura des filles à ce dîner, au fait? Ben non, parce que c'est l'enterrement de vie de garçon de Thomas et... entre mecs. Oh là là, oh là là, on les connaît, les enterrements de vie de garçon. Hein. Il y a toujours deux, trois filles faciles qui traînent dans les environs. Non. Mais même Marie-Madeleine, elle n'est pas invitée. La p***, là? Non. Marie-Madeleine a dû faire ses études sans ses parents. Elle a en effet eu recours à l'escorting, mais tu sais pas ce que c'est être dans la dèche, toi? Non, on roule sur l'or, nous. Hein. Oui. Tu vois? Bah oui. D'ailleurs, je te signale que toi et papa, vous n'avez pas hésité à faire une PMA avec l'aide de Dieu pour arrondir les fins de mois, donc si ça se savait, je sais pas trop comment ça serait pris. Et moi, pourquoi je suis pas invitée, moi, à ce dîner? Ben parce que t'es la Sainte Vierge et que 13 amis qui boivent de l'alcool, c'est pas la meilleure façon de s'amuser. Donc une bonne soirée décadente. Donc une bonne soirée tout court. Et vous allez boire quoi? Du vin. Enfin de l'eau, mais j'arrive à le transformer en vin. Faut qu'on aille voir le docteur pour ça aussi, là, c'est pas normal. Et t'as arrêté avec le pain? Non, mais parce que le boulanger m'a dit que le matin, tu lui achetais une baguette et qu'après, t'en faisais plein d'autres gratuites pour les pauvres. Maman, tu fais quoi quand tu vois un pauvre? Je les vois pas. Je les évite. Sinon, je leur donne tout ce qui me reste. Et moi aussi, hein, je peux faire apparaître des baguettes. Mais c'est un engrenage. Faut pas y aller. Et ma soirée, je peux y aller ou pas, alors? Parce qu'à 22h, moi, je suis rentré ici. Pas trop de vin. Non, un ou deux verres. De toute façon, je le verrai à ta tunique, il y aura des auréoles dessus. Et toi, tu fais pas d'apparition subite pour nous fliquer, hein, parce que t'es lourde quand tu fais des apparitions subites. Moi, je suis lourde. Bon. D'accord. Et tu fais attention à ce Pierre-là avec ses longs cheveux, là. Et à ce Judas-là. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas, lui. Promis, je fais attention. Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en enfer.